Bienvenue pour ce nouveau stream de The Big Gamoski. Aujourd'hui, on retourne dans les annales du shmups. Non, ce n'est pas ça, lâche ton voisin. Et donc, on va partir au fin fond du cul de 1978 ou 1979, je sais plus trop, pour un stream qui va être le stream du silence. Oui, je dédie cette vidéo à Monsieur Cousteau, au commandant pour être précis. Puisque nous allons plonger dans le monde du silence, vu que l'émulation n'est peut-être pas parfaite, je ne sais pas si sur cette ROM vintage, il y avait en fait une... Il y avait une bande-son. Quoi qu'il en soit, Cosmic Guerilla, tel est le nom de ce que nous allons vivre comme expérience vidéoludique de haute volée. Alors attention, de l'écran haute définition. Des couleurs par huitaine. Ouais, on n'est pas loin de ça. Et donc, nous avons un ancêtre des shmups. Et oui, les Manic Shooters, c'était ça. Alors, ça fait un peu bizarre à dire comme ça, mais c'est la vérité. Donc, 78, on avait quoi d'autre à se mettre sous la dent? On avait un bout de Space Invader, enfin, pas grand-chose, quoi. Donc voilà la chose. Allez, on essaye, hein. Sans plus attendre, on est trop impatient de se faire cramer des pièces pour ce jeu qui a l'air super intéressant. Comment j'ai fait trop bien le mec, il y croit. Piou, piou, piou. Il n'y a rien qui m'est mouré. Et là, faut que j'attende qu'il sorte de la petite colonne, les petits pervers du cosmos, mos, mos. Toujours faire de l'écho, hein, quand on dit des termes spatiaux. Ça renforce la crédibilité. Mais dites-moi, ça m'a l'air super compliqué, extra fun, parce que là, je m'amuse totalement, hein, je ne le cache pas. Je suis en train de m'éclater. Et l'autre, il s'énerve là-bas, il va me piquer un gars. Oh man! Il est à moi, ce mec, mec. Les gars, ils te tchourent, des humains. Des humains d'élevage que t'auras pris plein d'années à. De là à dire qu'il y a de la stratégie dans ce jeu, j'en suis pas loin. Comment ça? J'exagère. Non, pas du tout. Game over? Super. On refait une partie? Pour que vous compreniez bien le principe. Donc on l'a découvert ensemble. Le drame est tel que ce que vous avez à l'écran. De sales méchants aliens attendent, en faisant la queue leu-leu, pour aller nous tuer des humains, quoi. C'est. Et là, le jeu est coincé. Donc, même si je voulais vous streamer quoi que ce soit, apparemment, on s'arrêtera à la première partie, puisque... Bonjour. Ah, si, ça marche. Et c'est quoi la touche, gros con? Bon. Je vais quand même pas sortir et relancer une partie. Je crois qu'on a vu. Comment ça, on n'a pas fait les 5 minutes légales? Tu as tout à fait raison, Marco. Je vais donc sortir de l'émulateur et relancer une partie, puisque, au joie ou extase, je vais one credit ce jeu qui ne doit probablement pas avoir de fin comme on le faisait avant les années 80. Et yippee-ki-yay. Bang bang. Et cette fois, c'est OBS qui n'affiche plus l'image. C'est magnifique. Un petit alt-tab plus loin. Non, mais vous avez remarqué quand même le calme que j'ai pour gérer les situations improbables à chaque fois que je fais un stream. Rien que pour ça, je pense que je devrais avoir un prix ou au moins être nominé à Cannes, quoi. Non, ça ne marche toujours pas. Je vais remplir mes 5 minutes juste par des faits et des choses qui ne marchent pas, je pense. C'est ce qui risque d'aboutir. Donc, je vous rappelle qu'on est en train de tester Cosmic Guerilla, qui est une espèce de remake de Space Invader, qui me fait bien marrer. Et que je vais one credit de spa. Allez, c'est parti, regardez. Je mets qu'un crédit, hein, je déconne pas. J'ai pas l'intention d'en remettre de ma vie de toute manière, si on est vraiment honnête. Donc voilà. Je préfère mieux mourir avant de remettre des crédits dans ce jeu qui. Alors oui, à l'époque, ça devait avoir l'effet nouveauté. Donc un minot pouvait se faire avoir et faire putain, trop bien, quoi. T'es au fin fond du cul d'un village français quelconque dont parle Jean-Pierre Pernaut. Tu tombes sur cette borne, t'es amoureux. Elle peut sauver ton adolescence et peut-être même ta puberté. Mais voilà, il n'y avait que ça. Et non, il n'y a rien. Hé, monsieur, non. Il est à moi, ce humain. L'autre, il va faire ses courses, c'est tranquille.
Et il continue de me tirer sur la gueule en plus. Ouais, ça va pas se passer comme ça. Regardez-moi ça, se lâcher de l'autre côté. Non, mais. Les jeux étaient bien fichus quand même pour qu'on mette un max de pièces dedans. Après, de là à dire qu'ils étaient intéressants, ça, c'est. Je m'engagerai pas trop sur ça. Elle veut quoi la soucoupe? J'aurais jamais, de toute façon. Ça règle le problème à la base. Ils vont me shipper des humains, je le sens. Ils nous volent notre travail. Mais voilà ce qu'on pourrait faire. On pourrait ressortir ce jeu aujourd'hui et le vendre aux gens qui ont un peu le front un peu bas. En leur expliquant que c'est un truc pour les entraîner contre les gens qui viennent leur voler leur travail. Bon, comme vous l'aurez compris, c'est un stream de la déconnade parce que ce jeu, quand on est en 2018, il nous emmerde allègrement, hein, on s'ennuie. Alors, c'est de l'archéologie du pixel, grosso merdo. Voilà le seul intérêt qu'il aura, il va vite aller gagner la malle au grenier dans lequel sont stockées toutes les vieilles cochonneries dont on a connaissance, mais dont on ne veut plus trop vraiment entendre parler. Et puis on se retrouve demain à 19h pour, je l'espère, un nouveau stream si je survis au prochain tsunami. Car il va y avoir un tsunami en France, mais bon, ça j'en discuterai plus tard avec vous. Ciao, prenez soin de vous, bye. Piou, piou.